communauté d'agglomération drancénoise. C'est une communauté d'agglomération de 19 communes, donc autour d'une ville-centre Draguignan, qui comprend 100 000 habitants. Un territoire situé au barycentre entre Nice, Aix-en-Provence, Toulon. Effectivement, sur 70 hectares, devaient et ont été aménagées cette zone d'activité économique qui, à terme, doit comprendre à peu près 1 000 emplois. Barjane est un investisseur immobilier. Nous sommes aménageurs de parcs d'activités, développeurs de bâtiments et gestionnaires. Nous sommes donc l'aménageur du parc des Bréguières. Ce projet est né il y a plus d'une quinzaine d'années de la volonté d'élus qui voulaient faire de ce projet un exemple. Un exemple en termes de développement économique, un exemple en termes d'environnement, un exemple en termes d'emploi. Le parc d'activités des Bréguières a été certifié ISO 14001 dès le début sur un périmètre global. C'est une stratégie du groupe Barjane. Nous gardons un patrimoine aux actifs, donc nous avons une stratégie de développement durable qui est de développer des actifs de qualité. La qualité, ça paye toujours, à un moment ou à un autre. Et effectivement, avoir une zone d'activité économique à vocation logistique comme les Bréguières en normes ISO 14001, c'est un atout différenciant par rapport à une concurrence territoriale qui existe. Un parc de qualité, c'est une référence pour le territoire et c'est une référence pour les entreprises qui y sont. Donc c'est une démarche vertueuse dans laquelle tout le monde finalement trouve son compte, que ce soit l'entreprise ou l'utilisateur du parc ou l'aménageur ou les gestionnaires qui sont sur place. Nous avons été les premiers à engager une démarche qui intègre à la fois l'aspect juridique de la mobilisation de foncier par la communauté d'agglomération, à la présentation d'un appel d'offres pour choisir un aménageur, la réflexion globale autour effectivement de la mise en œuvre de ce projet a nécessité un cahier des charges à travers un traité de concession qui effectivement délimite les contraintes en matière environnementale et surtout la mobilisation d'un comité d'agrément pour toute implantation au sein de la zone, ce qui a pour vocation et mérite d'être certain que la zone reste dans le temps, une zone à vocation proprement logistique. Il y a eu une grosse réflexion qui a été menée sur le traitement de l'eau sur le parc des Bréguières. On est dans le Var, donc la problématique eau est une problématique importante. Donc il y a eu un traitement sur toute la problématique inondation quelque part. Retenir les eaux qui viennent en amont du parc et donc de protéger de toute crue et le parc lui-même et ses riverains en aval. On a également une innovation importante en termes de traitement des eaux pluviales parce qu'on a un traitement alternatif via des noues plantées et ensuite des séparateurs hydrocarbures naturels plantés de rhizomes et de plantes macrophytes qui traitent les pollutions classiques. On a du coup créé de grands bassins végétalisés qui attirent énormément d'espèces d'avifaune qui n'étaient pas là auparavant et qui donc recréent de la biodiversité. La zone a été pensée dès le départ comme étant ou devant être reliée au fer. Il s'agit là d'un réel pari sur l'avenir par rapport au territoire. La communauté d'agglomération drancénoise a réalisé d'ores et déjà une partie de cette installation terminale embranchée, c'est-à-dire d'une connexion ferroviaire entre la gare des Arcs qui est située à proximité et puis la limite interne de la zone. Après, en termes d'innovation sociale, on a souvent l'occasion d'avoir des délégations de collégiens en cours d'histoire-géographie ou du lycée agricole des Arcs qui viennent voir le parc et les initiatives qu'on prend sur le parc. On a ainsi construit l'année dernière un hôtel à insectes avec les enfants qui ont passé les vacances au centre aéré à faire des recherches sur les insectes et à construire cet hôtel à insectes. On a organisé le premier trail des Bréguières. On a fait une course à l'intérieur du parc au profit d'une cause qui a du coup mobilisé les utilisateurs du parc, nos salariés. La qualité des bâtiments a été un axe fort du développement sur le parc des Bréguières, tant en termes architectural qu'en termes de qualité technique. En termes architectural, il y a une unité architecturale à l'échelle du parc, donc ça crée également de la cohérence et ça crée un aspect qualitatif. On a également des charpents de bois dans tous les bâtiments. Donc la charpente de bois, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de luminosité, beaucoup de confort à l'intérieur du bâtiment pour les utilisateurs. Et on a des centrales photovoltaïques en toiture. Quand nous aurons fini ce chantier, la puissance installée du parc des Bréguières représentera la consommation de 2500 foyers par an. Sur le parc des Bréguières, on a une équipe dédiée de 8 personnes qui sont présentes sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui sont là au service des entreprises installées sur notre parc. Cette équipe est implantée sur un bâtiment de service qui est à l'entrée du parc.
ce bâtiment de pôle de vie, nous en avons construit la moitié, donc 2000 m². Il y a encore 2000 m² à venir qui, quant à eux, verront l'installation d'un restaurant inter-entreprise, d'une cafétéria et d'une crèche inter-entreprise que nous développons en partenariat avec la mairie des Arcs et qui sera une crèche mixte, publique-mairie et privée-entreprise.